thème fort sur la séduction, c'est surtout ce qui m'a séduit aussi, tout de suite. L'appel a été très fort jusqu'à Rouenet, après un peu de temps devant vous. Donc ça m'a séduit en tout premier, dans le sens que, effectivement, je pense qu'on est séduit plus suffisamment par les sens, puisque là, pour moi, les sens, que ce soit par la vue, l'odorat, le reste, n'est plus tout à fait mis en avant. Aujourd'hui, je trouve que c'est plutôt à l'oreille, les nuisances, pour ne pas parler de pollution. On va rester dans la cosmétique, donc je pense qu'il est beau et joli. Donc j'ai voulu séduire effectivement en premier lieu par la vue, donc la couleur. Ensuite, la couleur du soleil, qui est la force même, la vie. Ensuite, par l'odorat, le nez, qui est un peu la base de peut-être de tout parfumeur, parce que en fait c'était une ambition et un rêve qui date de très longtemps. Qu'un jour, la Polynésie produit 100 parfums. Très bien, ça me fait vite, sans la blague. Pourquoi pas un coco chanel? C'est vrai. Des marquises. Donc les rêves se réalisent, il faut d'abord en avoir. Je souhaite bonne chance à tout le monde. Et puis, bon, la texture, bien sûr, par rapport à une huile dont l'importance dans la vie polynésienne est de chaque jour. Comme massage, bien sûr. Mais contrairement au monoeil avec lequel j'ai grandi, j'ai voulu créer une huile plutôt sèche. Je pense que je l'ai obtenue. J'en suis personnellement satisfaite. Puisque j'en porte tous les jours. Je ne me lâche pas avec. Contrairement, encore une fois, au monoeil de maman, etc., etc. Et séduire, c'est séduire monsieur, séduire madame, mademoiselle, les hommes, les dieux, les déesses. Voilà, donc la femme dans la cosmétique est toujours bien mise en avant. Nous avons nos rouges à lèvres, nos crayons. Hein. L'homme, monsieur, c'est vrai que vous êtes moins gâté. Mettez de l'huile sublime, elle viendra. Je trouve que ça peut très bien la supporter par un homme. C'est ce côté épicé, ce côté épicé que j'ai. Voilà, qui fait que la cité, que c'est mixte. C'est mixte. Plus. Le parfum, comment tu l'as trouvé? Parce que tu as beaucoup modifié par rapport à ta première formule. Oui. Alors c'était. C'est pour rester encore une fois dans le mystérieux, parce que j'estime que créer. L'art ne peut pas être dévoilé complètement. Je ne sais pas si c'est une modification durant une création, on l'apporte forcément. On est au départ, on se dit, voilà, on a un projet, on a un but. Mais lorsque je commence à couper, que je n'ai pas de patron, à un moment donné, je vais couper autre chose, je vais tailler dans autre chose. Je vais rajouter, je vais retirer. Et pour moi, c'est voilà la vraie créativité. Le vrai art, un artiste peintre également, il va se dire à un moment donné, je vais utiliser que des bleus, et puis tout d'un coup, il va prendre un vert, un pastel, mais ça n'avait rien à voir avec. Et ça me fait peut-être la touche finale, c'est ce que j'espère. Garder de l'esprit. Pas tous les voyants. En tout cas, elle te correspond bien. Si. Tu es dedans. Les paillettes, c'était un choix aussi pour renforcer ce côté. Sublimer un peu. Sublimer, hein, avec le soleil. Voilà. Il y a un coucher de soleil lorsqu'il pleut. On a l'impression qu'il y a comme des paillettes devant, quelque chose que l'œil peut rester naturel, peut-être, peut mieux voir. Peut-être parce qu'à Rouenet, c'est comme ça. Je n'ai pas vu ici, sûrement, pas Tédi, parce que j'habite pas pété à la main. Là, quand pour la baie et tout, on sent vraiment qu'un rouge, quoi, qu'elle évolue, c'est très agréable. Hein. Au fil du temps, comment elle évolue? C'est-à-dire plus longtemps, avec le soleil, comme ça? Oui, je pense, là, le power est, et après, elle devient discrète, et c'est ce que je recherche. D'accord.
Au début, on sent le gingembre, même s'il y a pas vraiment de gingembre, on sent vraiment le gingembre. Et ça aussi. Et le choix des huiles essentielles, est-ce que c'est aussi par rapport aux vertus, en plus du parfum? Tout à fait. Alors, pas choisi voilà. Comment on sait l'impression? On a fait un essai à Chenille sur un Wéné, massage, on me dit que c'est renaissant. Donc, elle a cette vertu également. Parce que enfin, je vois dans la composition, tant que la lavande, c'est très relaxant, effectivement, dans le parfum et dans le profil. Mais après, avec le limon de glace ou le géranium, il y a des vertus avec, par rapport à la circulation. C'est par rapport à mon problème personnel. Le géranium, c'est aussi la circulation. Mais la lavande, c'est un souvenir, c'est une histoire. Les premiers eaux de Cologne, bien-être, c'était la lavande qui nous avait accrochés. Et ça, quelque part, dans moi, il fallait que je le ressente. Ça, c'est émotionnel. J'ai aimé des émotions, beaucoup d'émotions. Mais ça reste une touche discrète, hein, je veux dire. Tu as réussi un équilibre voilà. Quand même. C'est fort au départ, comme un soleil, et puis bon, bah, il va pas mourir, il ne va pas s'éteindre, le lendemain il revient, il va se faire discret, il va se diluer tout doucement à l'horizon. Merci beaucoup en plus d'être venu le porter, le porter haut. Et elle a fait l'effort en plus de venir le voiner exprès pour l'audition, alors qu'on ne lui avait pas imposé, hein, je lui avais dit qu'elle pouvait s'en dispenser. Mais bon, je en le mettant en scène. Merci. Pour porter ma terre, mon île, Wahine, la Polynésie, le laboratoire. Merci. Juste une chose au niveau du nom que tu. Tiani. Alors, j'ai pensé marketing commercial en prenant Tiani. Au lieu de mettre un H, parce qu'en fait c'est Tihan. À l'étranger, il ne faut pas chez nous, mon père il ne faut pas. Pas de problème, on n'a pas de. On oublie notre H. Or, c'est presque pour moi. Quand on va me dire Héré, il faut qu'on me dise Héré, s'il vous plaît. Pas Héré. Héré. Donc, si on m'a prononcé, il y aurait écorché Tihani pour dire. Alors, je préfère Tihani. D'ailleurs, dans certaines chansons, on dit Tihani, Hani, Fatihani, on ne dit plus Tihani, Hani. Fatihani, Hani, c'est le côté apathique. Le côté maquillage.